Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans un hall action et j'ai trouvé aussi des choses au champ. Du coup, je vais vous les montrer. Donc, j'ai repris le spray comme ceci, gel antibactérien comme ça pour mettre dans ma voiture, c'est bien. Comme ça, au moins des fois, je peux vaporiser sur mes clés ou des choses comme ça. Donc, c'est pas mal. Ensuite, j'ai repris des petits stickers comme ça pour coller dans mon bullet journal ou des trucs comme ça. J'ai essayé de trouver des choses un peu comme ça. Je les ai foutues. Alors, j'ai essayé de trouver des choses un peu comme ceci dans ce même thème en fait. Mais le souci, c'est que je les ai pas trouvés à Saint-Quentin, donc je sais pas ce qu'ils font avec. Je sais pas si c'est par période ou quoi. Mais l'autre fois, je crois que je les avais eus à Cambrai ou à un autre, je sais plus. Je sais plus lequel, donc si un jour j'ai l'occasion, j'irai et puis j'en retrouverai d'autres. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça. Il n'y avait rien de ouf. Ou alors c'était avec des tampons, mais ça m'intéresse pas. Ensuite, j'ai trouvé le fameux agenda planeur organisateur. Bon, ça, vous l'avez vu dans. Il y a une petite. Un truc comme ça. Et je trouve qu'il est super beau. Je l'ai pris en rose parce que voilà, j'aime le rose. Mais il est canon. Là, vous mettez un peu ce que vous voulez, les dates importantes, tout ça, tout ça. Puis après, voilà, vous avez le planeur de la semaine. Ouais, c'est ça la semaine. Ouais, puis après, bref, c'est tout le temps les mêmes. Et en fait, il n'y a pas de date, donc j'ai trouvé ça super, super. Comme ça, je peux l'entamer dès que je veux, en fait. Là, il y a des espèces de petites pochettes, un peu genre style pour mettre des photos ou des papiers importants, des petits papiers à pas perdre. Et il y a des petits autocollants, des stickers. Là, c'est pareil. Je trouve ça trop, trop beau. C'est magnifique. Je voulais un peu des stickers comme ça. Le souci c'est que c'est marqué en anglais. Du coup, je sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, les jours je les connais, les mois je les connais. Enfin, les mois je les connais, mais du coup ça, je sais pas ce que ça veut dire. C'est accroché à mes cheveux et je trouve ça trop bien. Parce que vous pouvez le mettre comme ça, en fait, vous faites ce que vous voulez avec, c'est top. Franchement, il est canon. J'espère que l'année prochaine, enfin, j'espère qu'ils vont en refaire. Mais peut-être que je m'en rachèterai un autre, celui en noir ou quoi. Parce qu'il est super bien en fait. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté un dissolvant parce que j'en avais plus. Alors, action. J'ai aussi acheté mon fameux tapis pour le sol. J'espère qu'il est bien celui-là. Parce que. Bon, j'espère. Bon. Je crois qu'il. Après, je vais vous donner les prix après, ou bien alors je vous les afficherai quelque part. Parce que j'ai tiqué sur moi, mais du coup, j'ai oublié de vous le dire. Donc, ensuite, ah, il ne veut pas tenir. Là, voilà. Ensuite, j'étais à Auchan. Donc, je me suis pris un concealer de chez L'Oréal. C'est ça? Ouais, L'Oréal. Le Infaillible. Donc, j'arrive après la guerre. Mais apparemment, tout le monde me dit qu'il. J'ai vu tous les avis et c'était bien. Donc, j'ai pris. Couleur avoine, j'espère que ça me va. C'est un peu, on dirait que c'est un peu clair, donc on verra bien. Ensuite, j'ai pris des feutres, toujours pour faire mon bullet journal, des feutres, voilà. Ensuite, j'ai pris un petit stick déodorant. Donc c'est mon savon à l'aloe vera et la vanille sans alcool et sans celle d'aluminium. Mais par contre, il n'y avait pas sans parabène. Bon, j'ai pris ça au pif parce que j'ai été faire des courses avec mon père et du coup, voilà. Fallait aller vite, hein. Faut pas mettre 3 heures dans le rayon beauté, voilà. Après, j'ai acheté du papier toilette. En fait, il est en promo là sur Shop Me Up depuis un moment. Du coup, je l'ai pris. Je voulais prendre les gros paquets, mais ça ne marchait pas. Le code, il marchait pas. Parce que vous pouvez vérifier le code. Comme ça, tu l'achètes pas pour rien et. Du coup, là, je vais avoir une réduction dessus. Je crois que c'était moins 30, je crois. Ou moins 40, un truc comme ça. Je vous le marquerai sur l'écran. Au pire, il y a mon lien de parrainage en bas.
Et ensuite, il y avait aussi les Monster Munch, mais au poulet. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas tester. Après, il y en avait un autre au paprika, mais je sais qu'on va pas aimer, que ça va piquer et tout. Non, non. J'ai pris un baguette au poulet, on ne sait pas. C'était moins 30% sur le prix. Donc franchement, c'est top. J'ai tout montré, ouais, voilà. Voilà mes petits achats. Bon, après, on a fait les courses et tout, mais bon, je vois pas l'intérêt de vous montrer plein de courses. Sauf si c'est des choses un peu intéressantes, mais voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé comme article, tout ça. Si vous avez des avis, vous pouvez tout mettre dans les commentaires. Hein, j'y réponds, il n'y a pas de souci. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.